La banane est originaire des forêts tropicales d'Asie du Sud-Est, situées entre la Chine et l'Inde. En Inde, le plus grand pays producteur de bananes dans le monde, sa signification dépasse son goût. Même s'il est difficile d'y croire, selon les hindous, le fruit défendu donné à Adam par Ève n'est pas la pomme, mais la banane. Étant donné que les Chinois avaient gardé leur distance par rapport à la banane pendant une longue période, elle a commencé à être consommée et cultivée seulement au début du XXe siècle. La banane est devenue populaire et s'est répandue lorsque les immigrants asiatiques du Sud-Est ont apporté avec eux des plants de banane au Moyen-Orient et en Afrique. Les marchands portugais emmenèrent les plants de banane trouvés rares sur les côtes du nord-ouest de l'Afrique et aux îles Canaries, où le volume du commerce était plus important qu'aujourd'hui. Alors, la banane qui poussa très facilement dans ces régions, devenant ainsi un aliment de base très bénéfique pour la population frappée par la pauvreté. Selon l'histoire espagnole, Thomas de Berlanga, un prêtre qui aurait navigué pour les îles des Caraïbes en 1516, l'introduisit pour la première fois en Amérique. La banane ne peut être cultivée que dans une zone bien précise, soit à 30 degrés au nord et au sud de l'équateur. En termes de valeur brute, la banane est le cinquième produit le plus important dans le monde, où la population accroît sans cesse, après le riz, le blé, le maïs et la pomme de terre. Pouvant être consommée aussi bien fraîche que cuite, elle occupe le premier rang parmi les autres fruits, avec une production de 140 millions de tonnes. L'Inde est le plus grand producteur de bananes, avec une production de 28 millions, suivi par la Chine avec 12 millions et les Philippines avec 9 millions. Les pays producteurs de bananes sont l'Ouganda, le Brésil, l'Équateur et l'Indonésie. Bien que l'Équateur occupe le cinquième rang mondial, ses exportations atteignent une valeur de près de 3 milliards de dollars. Selon les données du commerce mondial, les pays développés dépensent des budgets plus importants pour la banane. Les pays de l'UE, les États-Unis et le Japon sont les principaux pays importateurs. Aujourd'hui, le Canada consomme 4 milliards de bananes chaque année et l'Allemagne plus de 2 milliards. Selon une autre recherche, un Anglais consommerait environ 100 bananes par an, et cela signifie un total de 5 milliards de bananes. D'autre part, la banane est l'aliment de base de la population ougandaise. En effet, un Ougandais consomme 400 kg de bananes par an, et en majorité sous forme cuite ou de dessert. Bien qu'il existe de nombreuses variétés de bananes, ces variétés n'ont pas pu faire partie des réseaux de commercialisation. La variété la plus courante dans le monde est la Cavendish. Alors que la banane est sollicitée pour sa saveur et son contenu riche dans les pays développés, elle est une source d'aliments de base dans les pays du tiers-monde où sa production est plus importante. Un autre membre de la famille de la banane est la banane plantain, qui, elle, peut se cuire. Elle n'est pas tellement répandue dans le monde entier, mais utilisée comme repas principal dans les pays tropicaux sous-développés. Les bébés et les enfants peuvent aussi consommer ce joli fruit odorant car elle possède un arôme particulier, un contenu nutritionnel élevé, une consommation facile et se mélange facilement avec les liquides. Les bananes consommées fraîches ou cuites sont des sources riches en vitamine B1, B2, C, E, provitamine A, potassium, fer, calcium, phosphore, sodium et iode. Une banane contient en moyenne 100 calories. La banane est un fruit qui ne peut être cultivé que dans les régions tropicales et qui se périme facilement. La méthode la plus avancée de stockage des bananes est le stockage sous contrôle atmosphérique, qui possède une forte circulation d'air et qui permet le contrôle de la température, de l'humidité et de l'éthylène. Contrairement aux idées reçues,
Elle est récoltée lorsqu'elle est verte avant qu'elle ne soit mûre. Les grappes de bananes sont classées suivant la taille, adaptées pour le commerce, puis lavées et trempées dans de l'eau fongicide avant qu'elles ne soient stockées dans les entrepôts frigorifiques, réglés à 12-15 degrés en fonction de la variété et avec un taux d'humidité de 85 à 90%. Par sa nature de fruit climatique, la vitesse de maturation des bananes est plus élevée que celle des autres fruits. Puisque la température de stockage de ce fruit est élevée, la réduction de la vitesse de la respiration est assez limitée. Les bananes libèrent de l'éthylène pendant la respiration. Cette sécrétion de l'éthylène accélère sa maturation. Voilà pourquoi le facteur le plus important dans le stockage des bananes est le taux d'éthylène. Si le gaz d'éthylène ne peut pas être éliminé par les nettoyeurs d'éthylène, il ne sera pas possible de stocker les bananes pendant une longue période. Malheureusement, les bananes ne sont pas adaptées pour le stockage à long terme. Entreposées alors qu'elles sont encore vertes, les bananes ont un maximum de 6 à 7 semaines de durée de stockage et ne peuvent pas être envoyées sur le marché juste après. On leur donne de l'éthylène d'une manière contrôlée dans des chambres spéciales pour briser la fine couche de chlorophylle sur la peau afin de transformer sa couleur jaune en 6 à 8 jours en fonction de la température, puis on les livre aux détaillants. C'est presque un miracle que ce fruit fragile et savoureux fasse un long chemin depuis l'Équateur pour atteindre nos tables. Ceux qui accomplissent ce miracle sont les producteurs de bananes qui vendent le kilo pour quelques centimes, les généticiens agroalimentaires qui ont développé les variétés de bananes et les experts de stockage à froid qui réussissent la conservation des bananes jusqu'à la consommation.